Bocconne. Le premier exercice est réservé aux dames. Alors, mesdames, regardez bien, ça, c'est pour vous. Il s'agit de se placer entre les cônes sans les toucher, sans les faire tomber. Quand on arrive un peu en retard à la boulangerie, il n'y a plus beaucoup de place pour se garer. Eh bien, Philippe va vous montrer comment faire pour prendre rapidement la dernière place. C'est parti! Et il est placé. Alors mesdames, c'est facile, tout se joue sur l'embrayage et le frein. Je demanderai à Philippe de faire attention de ne pas écraser ce cône, car ces deux cônes représentent la boulangère et le boulanger. Si on écrase des cônes, demain matin, il n'y a plus de pain. Il s'élance, il se place entre deux cônes. Alors mesdames, si vous n'avez pas compris, au bout de trois fois, vous montez dans le véhicule avec Philippe. De votre côté, s'il vous plaît, toujours le même exercice réservé aux dames. On place le cône dans l'autre coin. Mesdames, regardez bien à droite, ça c'est pour vous. Et il est parti, il s'élance. Oui, bravo. Ça va mesdames, c'est facile. Encore une fois, on resserre. Oh, faut pas trop serrer là. C'est pas un vélo, c'est une voiture. C'est parti, les séances. Et il se place entre les cônes. Oui, réussi. Bravo, 10 sur 10 pour Philippe. Cet exercice était réservé aux dames. Maintenant, l'exercice pour mes messieurs. Messieurs, pour vous, un seul et unique cône. Il s'agit d'arrêter le véhicule le plus près possible du cône sans le toucher. Alors, messieurs, c'est facile. Il faut s'entraîner pendant une semaine avec un cône. Et au bout d'une semaine, on retire le cône, et à la place du cône, on met la belle-mère. Oh, c'est pour rire, hein. Les belles-mères, les hautes mains, on les garde. La belle-mère. C'est parti, les séances, ils stoppent le véhicule le plus près possible du cône. Oh, oui. Côté droit ou côté gauche. Page à droite, à droite. Oh là là! C'était chaud! L'autre côté, s'il vous plaît, le même exercice, toujours pour les messieurs. Messieurs, regardez bien. Il faut lancer, il faut lancer le véhicule au maximum dans les derniers mètres. Coup de volant, coup de frein, hein. Le véhicule doit se garer entre les cônes. Waouh! Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là! Le cône a bougé! Il a touché le cône! Mesdames et messieurs, nous allons être très très sévères avec Philippe. On va lui retirer 2 points du permis. Il s'en fout, il n'a pas de permis. Alors attention, mesdames et messieurs.